Et salut tout le monde, c'est Dominique, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble les NBT. Alors les NBT, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de très utile, ça vous permet notamment de modifier les blocs, les items et aussi les entités. Ça vous permet vraiment de personnaliser plein de choses dans Minecraft, c'est très 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 utile. Donc aujourd'hui on va les voir. Alors il faut savoir qu'il y en a beaucoup. Mais genre vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, nous allons, dans cette vidéo, nous concentrer seulement sur les NBT pour les items. Alors, c'est un peu relatif, parce que si je prends un item, voilà, imaginons j'ai un bloc de stone. Voilà. Mais que je le drop. Bah, c'est à la fois un bloc, un item et une entité. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur les items. Mais c'est à dire que là par exemple ce que j'ai actuellement dans la main c'est un item. Par contre ça c'est plus un item, ça c'est un bloc. Nous n'allons pas du tout nous occuper donc des blocs ou des entités. Sur ce, c'est parti, n'oubliez pas de liker. Alors il faut savoir que l'organisation de NBT est très simple. En réalité ça peut paraître très compliqué là quand on voit toutes les commandes ultra longues, mais en vrai c'est pas du tout compliqué. De base, les NBT sont regroupés entre deux accolades. Et on va mettre tous les NBT à la chaîne avec des virgules. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué, vous en doutez. Déjà, un truc qui change et qui complexifie, c'est qu'il existe des sous-NBT. C'est-à-dire que certains NBT vont avoir à l'intérieur des sous-NBT. Donc pour ça, c'est le NBT, au lieu de donner juste une valeur, il va y avoir des accolades ou des crochets dans lesquels il y aura d'autres NBT. Là, comme je vous le montre ici. Et il y a un autre cas. C'est pour ce que j'appelle le direct et indirect. Si je prends la commande give, par exemple, là, vous avez un exemple. Vous voyez, il y a les NBT. Et avant le NBT, il y a le Minecraft 2. Après le NBT, il y a le nombre. Si vous avez vu ma vidéo sur le give, ça, vous savez. Le seul problème, c'est que, par exemple, si je summon un zombie qui a une épée en diamant dans la main, et que je lui ai renommé l'épée et tout, il n'y a pas le give. Et pourtant, il va bien falloir que je mette qu'il y ait une épée, et il va bien falloir que je dise que c'est une épée. Et donc là, c'est ce que j'appelle l'indirect. Pour l'indirect, en fait, il va y avoir un méga NBT qui va englober encore tous les NBT. Pour ça, en fait, alors ce NBT n'a pas vraiment de nom, mais par exemple, pour prendre l'idée, l'exemple du zombie, vous avoir l'idée hand items. Tous ces NBT-là, je vous les montrerai si je fais un tutoriel sur les NBT summon. Mais donc là, nous avons le NBT Hand Item. Et c'est un NBT qui va contenir tous les autres NBT de l'item. Donc, il va avoir en fait 3 sous-NBT. L'idée, le count et le tag. L'idée, c'est ce qui va permettre de préciser quel item c'est. Le count, ça a précisé le nombre. Et le tag, bah, ça a donné tous les autres NBT de l'item. Et donc ensuite, tout ce que vous mettez dans le tag, ça se comporte exactement pareil que vous le mettiez dans le tag pour une commande summon ou que vous le mettiez directement pour une commande give. Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai avec le zombie et avec la commande give. Donc vous voyez, il y a tout qui est exactement pareil. C'est juste que là, sur le summon, c'est regroupé dans un autre NBT et l'idée et la quantité sont eux aussi des NBT. Donc voilà, maintenant que ça s'est mis au clair, je vais vous présenter quels sont réellement les NBT. Parce que l'idée, le count, c'est des NBT. Après, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Surtout si vous êtes dans un command give. Donc maintenant, on va enfin passer au véritable NBT. Alors, le premier NBT qui va nous permettre de définir, de modifier les items, c'est le display. Alors lui, c'est un des NBT que je parlais. C'est un NBT qui contient des sous-NBT. Lui, donc, vous allez mettre display, et au lieu de mettre une valeur, vous allez mettre de nouveau des accolades. J'appelle ça des accolades, je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. Si ça s'appelle différemment, vous avez le nom qui s'affiche actuellement sur l'écran. Bref, donc dans ces accolades, moi je vais appeler ça comme ça, vous allez devoir mettre deux sous-NBT. Le name et le lore. Le name, c'est pour le nom, le lore, c'est pour la description. Donc, juste derrière le name, vous allez mettre du format JSON, vous mettez... Alors attention, le format JSON, il faut mettre des guillemets au début et à la fin du format JSON
Et pour les guillemets qui sont à l'intérieur du format JSON, eh bien, il faut mettre ce qu'on appelle des anti-slash. Pour ça, vous appuyez sur Alt-Gr plus le bouton 8. Et ça va permettre d'ignorer les anti-slash, les guillemets qui sont dans le format JSON. Parce que si on les mettait pas, ils considéraient que le premier guillemet du format JSON, eh ben, c'est la fin du nom. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, donc je vais pas rentrer dans les détails. Donc ensuite, vous mettez une virgule et vous mettez l'or. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais pour le name, on met pas de crochet. Pour le lore, on va mettre des crochets. Parce que le lore, en fait, on va pouvoir en mettre plusieurs. On va même pouvoir en mettre à l'infini. Enfin, pas trop quand même, faut pas exagérer non plus. Parce que le lore, vous allez pouvoir mettre plusieurs des descriptions qui vont être à chaque ligne. Donc vous mettez des crochets, et ensuite vous mettez la description. Alors il faut savoir que ce tutoriel est pour la 1.13 à la 1.15, même 1.16. Mais il y a eu des petites modifications pour le display. Durant ces différentes versions, il faut savoir que vous ne pouviez pas mettre de format JSON pour le lore à 1.13, et donc il y a eu des changements pour ça. On va continuer avec un NBT qui est beaucoup plus simple, mais vraiment beaucoup plus simple, c'est le Unbreakable. Franchement, celui-là, c'est le plus simple. C'est, si vous voulez que votre item soit indestructible, vous le mettez à 1. Si vous voulez que ce soit un item normal, soit vous le précisez pas, soit vous le mettez à 0. Mais en fait, de base, si vous ne précisez pas, c'est qu'il est à 0. Donc ça sert à rien de le mettre à 0. Mais bon. Donc voilà. Ça, c'est un NBT vraiment simple. En autre NBT relativement simple, nous avons le Damage. Le Damage, lui aussi, est très simple. Comme le Unbreakable. Hein. Le Unbreakable, j'ai pas vraiment un bon accent. Vous allez devoir mettre Damage, 2 points, le nombre. Alors je précise, quand il y a des nombres, vraiment juste des nombres, juste un chiffre, il n'y a pas de guillemets. Alors que quand c'est un nombre, quand il y a une valeur, au terme, quand c'est 1.0b, là, il y a des chiffres. Il y a des guillemets. Mais sinon, quand il y a juste un chiffre, pour le damage, pour le unbreaking, c'est sans guillemets. Donc pour le damage, c'est la durabilité de l'item. Donc voilà, donc plus vous avez une valeur élevée, plus l'item est abîmé. Et attention, si vous mettez une valeur très élevée, voilà, vous avez un screen. Juste vous voyez par vous-même. Ah oui, je précise, là c'est 1 de durabilité, enfin c'est 0, donc dès que vous cassez un item, il se casse. Ça peut faire des situations très amusantes. Le NBT suivant, qui lui aussi est très simple, je vais commencer par les plus simples, c'est le Repair Cost. Repair Cost, voilà, donc là vous l'avez qui s'écrit, c'est le coût que ça va coûter à réparer. Si l'item est abîmé, ça va coûter ça à être réparé. Alors attention! Parce que vous savez, si vous réparez de 1 de durabilité, ça va coûter moins d'XP. Oui, parce que j'ai oublié de préciser, on parle d'XP quand on répare avec des enclumes les items. Mais donc vous avez déjà remarqué, plus l'item est abîmé, plus ça va consommer de diamants, par exemple si c'est un item en diamant, et plus ça va vous coûter d'XP. Et bien là, en fait, le Repair Cost, c'est en plus de tout ce que ça va vous coûter de base. Donc si de base, ça aurait dû vous coûter 3 points d'XP, et que vous mettez par exemple à 100, ça va vous coûter 103 points d'XP. Pour continuer sur ceux qui sont très simples, on a le Custom Model Data, même s'il n'est pas extrêmement utilisé, je préfère vous le donner maintenant. Ça va être utile pour les textures pack, data pack et tout. Grosso modo, c'est une valeur. Vous pouvez la mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bref. Et ça va pouvoir vous permettre de modifier la texture. En résumé, c'est par exemple, vous pouvez... je sais pas s'il y a besoin d'un data pack tout simplement, mais c'est, imaginons, quand la hache en diamant par exemple... est normal, elle a sa texture de hache en diamant, mais si elle a le custom model data à 2 par exemple, et ben ça donne une autre texture. Ah, ça c'est avec les data packs, les textures packs, on va pas trop s'aventurer là-dedans. Ensuite, un NBT très utile, c'est le enchantment. Bon, ça vous devinez rapidement. Alors lui, c'est un NBT qui contient des sous-NBT. Vous avez le enchantement. Ensuite, vous allez devoir mettre des crochets. Pourquoi des crochets? Parce que vous allez pouvoir mettre plusieurs enchantements. Donc vous mettez enchantement, des crochets, et là vous allez mettre des accolades. Et dans ces accolades, vous allez mettre deux sous-NBT. Le ID, et là on ne parle pas ID d'un item, mais ID d'un enchantement, et le level. Donc vous séparez avec une virgule, évidemment. Et ensuite, vous fermez le crochet. Si vous voulez mettre un autre enchantement, vous mettez une virgule. Il faut toujours mettre des virgules, toujours, entre deux NBT, entre deux sous-NBT, entre deux classes, tout ça. Toujours des virgules. Vous mettez une virgule, vous mettez la deuxième accolade, vous mettez le deuxième enchantement en mettant ID et level. Et ensuite, vous fermez les accolades. Et vous pouvez mettre tous les enchantements du jeu au level 32 000. On va continuer avec un NBT
très utile. On va continuer avec le Can Destroy. Et on va voir juste après le Can Place On. Alors ça, c'est pour les mapmakers, clairement, c'est un truc méga utile. C'est ce qui va vous permettre de casser et poser des blocs en game mode adventure. Donc d'abord, on va commencer par le Can Destroy. Ça, c'est pour les outils, enfin même pour tous les items, de base on dirait plus les outils. Ça va vous permettre, en game mode adventure, quand vous avez, enfin avec tel item, donc par exemple avec une pioche qui a sur NBT, vous allez pouvoir casser tel bloc qui a été défini. Donc pour ça, vous allez mettre Can Destroy, vous mettez des crochets parce que vous pouvez mettre plusieurs blocs, et ensuite vous mettez Minecraft de points l'idée de chaque bloc, entre guillemets naturellement parce que c'est pas un nombre, et vous mettez des virgules entre chaque. Pour le Can Place On, alors ça vous allez me dire, mais c'est pour les blocs, mais c'est n'importe quoi. C'est pour les blocs, mais non. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non. Mais oui, mais non. En fait, plus sérieusement, je vais dire que c'est pour les items, parce que ce tag, il va disparaître quand le bloc va être posé. Donc en réalité, c'est un NBT qui est dans l'item, et pas dans le bloc. Les NBT de blocs, c'est vraiment dans les blocs qui sont déjà posés au sol. Pas du tout dans les blocs que vous tenez dans la main. Donc ensuite, sinon, ça marche pareil. Crochet, Minecraft 2.lid, et tout et tout. De toute façon, vous avez l'exemple ici. Voilà, Can Destroy, Can Place On. Alors, nous allons continuer avec un NBT relativement utile quand même, et très simple que vous connaissez. C'est le Tags. Alors attention, il y a bien un S à ne pas oublier. De toute façon, à chaque fois, vous avez la syntaxe. Donc pour ça, bah, c'est les tags. Voilà, vous connaissez sûrement... Je vais pas vous décrire ce que c'est que les tags, juste en résumé, bah c'est des valeurs qu'on peut donner, un peu comme le nom, mais c'est pas le nom, voilà, pour les sélecteurs ça peut être utile. Donc voilà, ça vous permet de mettre des tags. Le NBT suivant, c'est le Block Entity Tag. Voilà, pourquoi Block Entity Tag, je sais pas trop, parce que franchement ça c'est pas vraiment pour les blocs. Mais grosso modo, c'est pour les items qui ont une valeur. Ça va pouvoir les modifier. Alors ça, c'est vraiment à voir au cas par cas, donc je vais pas vous faire toute la liste. Mais par exemple, pour les boucliers, si je fais par exemple avec un bloc entity tag à 0, je vais avoir un bouclier blanc. Voilà, là, j'ai reçu un bouclier blanc. Alors je vous le montre, voilà, comme ça. Vous voyez, j'ai un bouclier blanc. Et si je me give avec une base à 1, j'ai un bouclier avec un fond orange. Alors il y a, là vous avez vu, il y a le base. Après vous avez plein d'autres choses. Vous avez pour les rures. Tout ça c'est pour ce qui est bouclier. Pour ce qui est bannière, tout ça. Après ça là, en rentrant les choses, c'est tout ce qui est avec les bannières. Donc je vous présente pas juste comme ça, ici. Mais je préfère quand même vous citer Block Entity Tag. De toute façon vous voyez bien, vous pouvez aller voir un générateur hein, de bannières, tout ça. Je vous conseille Minecraft Tool, ça peut être très utile. Ensuite, un NBT très utile, c'est le Hide Flag. Vous avez sûrement déjà vu sur les items. Par exemple, pour les potions, vous avez l'effet qui est indiqué. Pour les armures ou pour les outils, les enchantements. Et bien tout ça, vous pouvez le cacher avec les Hide Flag. Donc pour ça, vous allez mettre Hide Flag et ensuite vous allez mettre une valeur. Alors la valeur est assez spéciale. Si vous voulez, vous avez une valeur pour chaque catégorie différente. Et si vous voulez... mettre par exemple cacher les enchantements et les effets de potion. Alors me demandez pas comment ça peut avoir les deux en même temps, c'est pas hyper utile, mais bon, si vous voulez mettre les deux, et bien en fait vous allez additionner la valeur des deux qui sont des deux items qui, enfin des deux flags, voilà, et ensuite vous mettez cette valeur là et toutes les combinaisons, et à chaque fois c'est des combinaisons uniques à cause des valeurs, c'est pour ça que c'est des valeurs un peu bizarres qui doublent à chaque fois. Le NBT suivant, c'est le Attribut Modifier. Alors ça, je rentre pas trop dans les détails. Si vous voulez vraiment vous renseigner, allez voir la commande slash attribut. Juste, vous avez déjà vu ce genre d'item complètement buggé, avec une description méga longue, qui vous permet d'avoir des effets incroyables, oulala, je vais trop vite, ou alors je donne des trucs incroyables. Bah c'est ça, les attributs. Donc voilà, donc là-dessus, comme c'est assez complexe, je rentre pas dans les détails dans cette vidéo. Juste allez voir une vidéo sur les attributs, et voilà.
Alors maintenant, on va rentrer dans des choses un peu plus au cas par cas. Donc, au terme, c'est-à-dire que c'est pour certains items spéciaux, même si j'en avais déjà quelques-uns, mais là, j'en ai surtout gardé pour la fin. D'abord, le Shulk ID, Shulker ID. Bah, ça, c'est pour les têtes de joueurs. Vous allez pouvoir mettre les joueurs. Ensuite, pour les armures, vous allez aussi pouvoir mettre quelque chose. Vous vous en doutez, c'est pour les armures en cuir. Vous pouvez mettre une couleur déterminée. Ce qui peut être très utile, hein. Voilà, vous pouvez faire des choses vachement fun. Donc vous allez mettre color, vous allez mettre une valeur. Alors la valeur, ça, je vous conseille d'utiliser des générateurs de couleurs, parce que ça, franchement, j'ai jamais vraiment compris comment on obtenait ces chiffres à partir d'une couleur. Mais bon, ça, vous trouvez en ligne des générateurs. Alors ensuite, vous avez en cas par cas la génération. Ça, c'est pour les livres. Est-ce que c'est des livres ou original ou copie de copie, bref, tout ça, vous voyez, hein, de toute façon. Donc là, vous avez les différentes options. Vous avez, pour les potions, ça, vous l'attendiez peut-être, le Custom Potion Effect et le Custom Potion Color. Alors, le Custom Potion Color, c'est comme pour l'armure. Vous allez devoir mettre un chiffre, là, le chiffre compliqué. Je vous conseille aussi de... Enfin, je vous le redis, je vous conseille d'aller sur Internet. Ensuite, vous avez le Custom Potion Effect. Alors, ça marche un peu comme les enchantements, hein. Vous avez le ID, c'est un NBT qui englobe des sous-NBT. Vous avez l'ID et tout. Mais c'est un peu plus compliqué parce que là, vous avez l'ID, l'amplifier qui est le level de l'effet, la duration qui est la durée, et le show particule qui est ce que vous voyez les particules. Alors, il y a plusieurs données. Vous avez 0 pour invisible. Vous avez aussi en mode effet... De toute façon, vous avez différents critères, là. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal de NBT. Vous comprenez pourquoi je ne les ai pas fait pour tous les NBT de Minecraft et seulement pour les items. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Ça m'incitera à faire sur les blocs, les items et tout et tout. Moi, sur ce, je vais vous dire à bientôt. Donc, likez, abonnez, activez les notifications. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, c'était Tominix!